Bonjour, je m'appelle Kader. Les principales missions d'un vendeur, c'est d'accueillir, recevoir, conseiller et vendre les produits de l'entreprise. Derrière ces missions-là, il y a toute une partie logistique qui viennent en support. C'est la réception de marchandises, la mise en place dans les rayons des produits, le suivi des stocks en faisant des inventaires et les commandes chez fournisseurs. Donc moi, mon parcours de formation, il a été fait sur 5 années d'alternance en partant d'un BTS MUC, donc Management et Commerce, et de 3 autres années en alternance, licence plus master au sein de cette entreprise. Tout ça en alternance dans un autre point de vente où j'ai effectué le rôle de vendeur comptoir. Les évolutions derrière ce poste-là, c'est de devenir responsable adjoint, responsable point de vente si on souhaite rester sédentaire. J'étais vendeur comptoir pendant plusieurs années, 3 ans, et depuis peu je suis passé responsable adjoint dans un point de vente. Si on souhaite passer itinérant, on peut devenir commercial ou manager commercial ou voilà, avec des postes encore. Tant qu'on reste dans le domaine du commerce, avec une expérience de vente, on peut évoluer. Ma satisfaction principale, c'est le côté affect, confiance, relation client, que je vais réussir à créer avec le temps. C'est voilà, à travers la confiance que je performe. Et une fois que c'est fait, bah, je suis assez satisfait de ça.